Michael Jackson des Congolais. Y a, y, tu peux dire quoi? Tu peux pas. Tu peux rien. Je suis tombée sur la vidéo où il dansait. Y a pas l'homme. Oui, dansait. C'était trop fun et tout. Ce soir, nous recevons Inos B. Bonsoir à toi et welcome à nouveau sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir, ma sista. Ça fait longtemps. Ça fait 2 jours. Hein. Tu fais rien avec nous. Tu viens plus. Je sais pas pourquoi. Tu as dû. C'est vrai, tu as tardé. Depuis la dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire. Ça fait 2 ans, non? Ouais, j'étais avec toi et je rentre. Je suis encore avec toi. Mais c'est, il s'est blagué. Il s'est blagué même. Il s'est fait. Oh, mais c'est vrai, non? La dernière fois, je suis passé là. Oui. Voilà, mais vite fait, quoi, en coup de vent, quoi, tu vois. Non, on a fait la même émission ou pas? Si, si, on l'a fait. Mais t'as pas remarqué que c'était pas le même studio? Si, il a remarqué. Quand j'ai été là-bas, j'ai dit, mais elles sont où? Ça va sinon? Ouais, ça va très bien. Babi est doux. Babi est gentil. On t'a trop. Et les éléphants aussi ont été gentils. Avant que j'arrive, on nous a foutu la honte. Mais là que papa Ino est là, tout se passe comme tout se passe bien. Ah, on t'attendait tel le Messie. Alors Inos, on abordait un sujet et j'aimerais bien que tu donnes ton avis là-dessus. Il s'agit du fait que les opposés s'attirent. Dans quel cadre? Dans tous les cadres, que ce soit humainement parlant ou bien dans les relations de couple ou bien amicalement parlant. Je dirais pas nécessairement, mais aussi ça arrive déjà souvent. Ça arrive, oui, ça arrive certainement. Mais est-ce que tu penses que ça peut perdurer dans le temps? C'est-à-dire on a un caractère diamétralement opposé, d'accord? Que ce soit en amitié ou que ce soit en amour, est-ce que tu penses que cette relation-là peut durer, perdurer dans le temps? C'est les gens des relations qui durent plus longtemps parce que. Ah bon? Vous avez toujours du contenu, vous avez ce que vous avez à vous dire, vous ne vous ennuyez pas parce qu'il y a un voyou. Et par exemple, il y a aussi une fille de l'église qui est là. Elle prie pour lui. Tu dois être gentil avec les gens, ne fais pas ça. Ah ouais, et puis il y a les gars qui disent, ouais, je vais essayer. Donc voilà, c'est les gens, pour moi je pense que c'est des relations qui durent plus longtemps. Quand tout le monde pense que ouais, ça va pas aller loin et puis voilà, il y a, et puis ça dure. Commencer à compter des années, il y a des gens qui font une année d'anniversaire, vous êtes déjà au 5e. Tout le monde attend votre séparation, mais ça n'arrive. Ça n'arrive jamais. On espère en tout cas que ça va durer pour eux. Bah écoutez, si vous prenez le train en marche, vous suivez Génération 2.0 et notre invité ce soir n'est autre que Inos. Et on va rappeler encore à tous nos auditeurs depuis le Congo que vous avez la possibilité de nous écouter sur Brazza, Kinshasa et Matadi sur les 104.7, également à Lubumbashi sur les 91.4 et partout dans le monde. C'est www.trace.ci où vous téléchargez tout simplement l'application Trace Radio sur Apple Store ou Play Store. Ceci étant dit, on a souhaité déjà la bienvenue à notre artiste, à notre invité. Dans quelques instants, on va se donner donc à ce qu'on appelle à travers les yeux de Moon qui va nous dépeindre les qualités. Et peut-être les défauts. Peut-être les défauts, tu dis ouais, quelles qualités. Ah, mais les qualités, peut-être les défauts. Non, mais bizarrement, tu les caresses toujours dans le sens de... Non, mais c'est mon refrain, tu vois, je peux pas... il t'a corrompu. Non, c'est mon frère, je peux pas parler de défauts. Il y en a marre, Moon, il y en a marre, Moon. C'est bon, sois un peu crédible. Ah, ça ferait pas de mal, hein, tu me diras. On fait une pause avant? Oui, on fait une pause tout de suite et on revient juste après. On aurait dû s'écouter du Doja Cat, mais Inos, c'est là, on peut pas. On peut pas. Non, il y a du... C'est pas possible. Voilà. Il y a tout un album qu'il y a à écouter. On doit encore redécouvrir certaines choses. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez de quoi vous mettre sous la dent. Donc, tout de suite, la petite pause. Et quand on revient, il y aura À travers les yeux de Moon. Déconnectez pas. Attention, la Covid-19 circule toujours. Les masques peuvent contribuer à éviter de transmettre le virus de la Covid-19. Cependant, le seul port du masque ne nous met pas totalement à l'abri. Il doit être associé à des mesures de distanciation physique et d'hygiène des mains. Protégeons-nous, protégeons les autres, respectons les mesures barrières au coronavirus. Le soir, pendant 2 heures, prends le pouvoir sur Trace. Bah voilà, chose promise, chose dit, due. Pardon, chose pas grave, tu es Djula, ma chérie. Non, je voulais du chose dit. Les Djula. C'est ça, tu me diras. Djula, c'est les Congolais de Côte d'Ivoire. Ah.
Je t'assure. Donc, il a compris. Je pense qu'il a compris. Ouais, je gère, ouais, c'est. Je gère, c'est guidron. Voilà, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. on fournit des efforts aussi. Et ouais, du courage. Ah ouais, vous en fournissez? Ouais. Ah ouais? Ça va quand t'es du loin là, ça vous fatigue. Mais bon, c'est pas bien grave. Inès, donc là, c'est Moon qui s'y colle à travers les yeux de Moon. Elle va dépeindre un tout petit peu ta biographie ou bien comment elle te voit. Ouais, plus comment je te vois. Mm-hmm. Mm-hmm. Comment je me vois ou comment tu me vois? Comment moi je te vois. Okay. L'œil extérieur. Elle parle mal hein, de toi. J'ai écouté tout à l'heure là, c'était pas ça. Hein. Mais bon, je vais voir si elle aura le courage de répéter ce qu'elle a dit off. Allez, ouais. C'est parti et ça arrive juste après ceci. Génération 2.0. Votre émission de libre antenne, 20h-22h sur Trace. 20h-22h sur Trace. Premier sur les hits. On la connaît tous, l'histoire. Enfant star qui démarre la musique à 6 ans au sein du groupe familial, qui participe à un concours de chant qui est parrainé par Econ, qui voit sa carrière exploser, qui se fait donc connaître au public congolais avant de s'exporter au-delà des frontières. Pour les autres détails, il faut juste le googler. Moi, ce soir, j'aimerais bien vous parler de Innocent, l'anticonformiste, celui à qui on ne dicte pas les lois. En effet, il est clair que Innos n'aime pas les choses de la masse. Il est particulier, différent, mieux, il est singulier et original, tout comme son style, l'univers qu'il a créé et où il règne en maître. À son si jeune âge, en une si jeune mais grande carrière, il a eu le temps d'explorer plusieurs univers musicaux, R&B, dancehall, reggae, avant de créer son propre univers, l'Afro-Congo. Innos B a la bonne recette, les sonorités congolaise qui ne manque pas à ses chansons, un cocktail auquel il ajoute ses expériences d'années musicales et des chorégraphies, ma foi, entraînantes. Vous l'ignoriez ou pas, mais Innos B est l'un des premiers à s'être imposé sans faire de la rumba pure et dure comme on la connaît, et surtout sans avoir fait partie d'un orchestre. Innocent a grandi avec son art, c'est un phénomène fascinant qui arrive à transcender divers univers et cultures. Je peux le dire, le titre de prince de l'Afro-Congo n'est pas usurpé. Finalement, Innocent a à peu près le même destin que MJ, son idole, famille d'artistes, enfant star, et j'ai appris qu'il se souhaite une carrière comme Michael Jackson. Eh bien, moi je dis qu'il est sur la bonne voie, mieux, il a déjà cette carrière. On lui reproche souvent d'avoir la grosse tête. Normal, il porte une couronne. L'Amérique a eu son Justin Bieber et le Congo a eu Innocent Baloumé. Le monde a eu Michael Jackson et est dorénavant prêt à recevoir le très très mortel 06. Mutoto wa Congo, Molodei, leader, Tigre, Arsenal. Innos. Désolé pour les mots. Voilà, c'est un peu dur, mais bon, voilà. Donc, Arsenal, là, je sais pas, moi, j'ai pas mon surnom. C'est pas ton surnom, mais c'est l'Arsenal parce que tu fournis des belles choses quand même. Tiens, papa. En tout cas, c'est que je suis. Et c'est tout, Moon? Je suis un bon à travers les yeux de Moon. Non, mais tu es un bon. Mais sinon, comme je t'ai dit là, c'est pas ce qui était écrit. Ah non, c'est ça. Hein? Ah. Non, c'est ce qui était écrit. Ah, je peux pas dire faut en direct. Faut pas le dire parce que Maïta, elle veut gâcher la relation qui est entre nous. Merci Moon pour cette très très belle et magnifique bio que tu as rédigée. Donc rapidement, si tu le permets Innocent, on va aller vite fait comme ça dans l'interview. Innocent, ça fait très maison. Innocent, c'est mon frère, tu vois. Je sais. Innocent, pardon. On va aller pour l'interview, pas Zier, mais plutôt le fauteuil blanc. On va te poser des questions qui pourront entrer dans tes 100 mètres un peu. C'est bon? Ouais, on est là quoi. On est déjà là, il Jean est déjà, déjà, Jean, t'es déjà là, quoi. Ça fait des ans qu'on n'a pas fait l'émission. Ah, il y a des choses à dire. Il y a pas mal de choses, de nouvelles choses, hein. Voilà. Ouais. D'accord. Ok. Allez, c'est parti. Et c'est maintenant. Génération 2.0. 225-08-200. 20h-22h. Le soir. Trace t'ouvre son antenne. Alors, Innos, tu commences la musique certes avec ta famille à l'âge de 6 ans, mais on se dit qu'on est trop jeune pour décider qu'on veut faire ce qu'on veut faire donc de sa carrière professionnelle là-dedans. À quel moment donc tu te dis tiens, c'est ce que je veux vraiment faire? Voilà, parce qu'on sait que maman elle chantait à l'église, papa quand même. Papa dit qu'il dansait. Il dansait. Il dit qu'il dansait. Il était danseur de pop. Il dit qu'il dansait. Ouais, comme on n'était pas là, on a. Il a dit. Ils n'ont pas vu. Cela n'a jamais été prouvé, mais il a dit. Tu vois les enfants ingrats comme ça.
Mais bon, bref. Donc, papa était danseur, maman était chanteuse à l'église, les frères et voilà, les sœurs chantaient également. Donc, toi, à 6 ans, à quel moment tu es baigné dans la musique depuis 6 ans? À quel moment tu te dis, bon, franchement, c'est ce que je veux faire? Mais si tu me permets d'ajouter, c'est que quand on est à 6 ans, en général, on fait les choses pour le fun. On fait pas ça pour s'amuser. Forcément parce que non, oui, c'est ce que je fais quand, tu vois, non, tu fais les choses pour t'amuser, pour, tu aimes bien. Mais à quel moment, toi, tu te dis, est-ce que je veux faire même dans ma vie qu'elle a là? C'est ce qui est bien, c'est voilà, avant que je pense à tout ça vraiment, toute ma famille, peut-être même mon sang, aimait déjà la musique. Parce que avant les groupes avec mes frères, je suis né d'une famille catholique. On allait souvent à l'église et moi-même, j'ai commencé même à faire la percussion pour des mamans qui chantaient avec ma mère. Donc, dans le groupe des chants pour l'église. Donc, je voyais que tout le temps, ça rendait les gens heureux. Même quand on était au quartier, avant encore le groupe, avant quand j'étais même, donc, je peux dire, j'avais même pas de babouche. On faisait des petits spectacles sur l'avenue et on créait des émeutes sur l'avenue. Waouh, des petites stars, little stars. On avait juste pas des caméras pour garder filmer, toutes ces images-là, mais c'était des images même plus fortes que voilà beaucoup des images que j'ai aujourd'hui parce que c'était la vraie chose quoi. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu là où la musique apporte un côté ou une énergie négative à ma vie. Donc c'est pour ça que voilà, j'avais pas d'autre choix que de continuer. Et puis on avait que la musique pour apporter des sourires à tout notre environnement. Donc c'est seulement ça. D'accord. Alors, c'est quoi ton processus de création? Est-ce que dans la musique, la plupart du temps, tu fais en improvisation ou bien tu prends le temps quand même de t'asseoir, rédiger tes sons et tout ça, changer les couplets, ajouter ci, ah bah non, ça ne matche pas et tout ça. Ça ne va pas marcher. C'est vrai que les premiers jours qu'il y a une idée qui se pointe, on a le squelette de la chanson. Mais pour vraiment se dire que voilà, cette chanson-là est finie, en tout cas, moi et mon grand frère qui est mon arrangeur, Jizo, on prend beaucoup de temps d'écouter, écouter. On peut passer même à autre chose. On continue à écouter des chansons. Et chaque fois qu'on est en studio, on essaie toujours d'améliorer. Et voilà, c'est souvent les jours qu'on veut balancer les titres, qu'on fait les derniers mixages. Donc, nous, le mixage, ça finit jamais. Tant que ce n'est pas encore, le titre n'est pas prêt de sortir, on continue à voir qu'est-ce qui manque. Est-ce que ça vaut la peine de choisir cette chanson ou bien on prend l'autre? Et voilà, c'est toujours comme ça. Et les idées viennent de partout. Des fois, tu t'inspires même du bruit que tu ne sais pas d'où ça vient. Et puis, à partir de ça, tu vas créer un concept. Ou bien... tu vois les langages courants, là où tu passes, à Kinshasa surtout, l'inspiration te tombe de partout. Et même une de tes chansons, tu m'as dit il y a 2 ans, hein, voilà, si je me rappelle bien, qu'elle t'avait été inspirée par c'est Yopé. Grand-mère. Voilà. C'est Yopé parce qu'il a dit ça. Tout ça. Voilà, Yopé, Yopé. Ouais. Voilà, elle avait l'habitude de vous la chanter. Voilà. En fait, les rythmiques là, c'est quand elle voulait toujours nous chanter, mais elle n'a ni parole, ni beat instrumental, ni... Au fait, elle n'avait rien. Il n'y avait rien. Elle voulait juste danser pour nous. Et c'est là qu'elle commençait. Elle vient seulement devant nous et commence à faire... Elle commençait d'abord avec les... C'est une ancienne chanson. Je ne sais pas d'où c'est venu moi-même. Allez, et puis, elle continue avec les... Tu lui dois ça, un fort, hein. Tu lui dois un succès. Ouais, je suis sûr qu'elle est fière. Elle est là où elle est, au ciel. Parce que voilà, c'est aussi notre ange de la famille. Parce que tout ce qu'il y a comme musique dans notre famille, c'est aussi, c'est elle l'origine. Parce qu'elle adorait la musique. Elle nous chantait des chansons en anglais. Pourtant, elle n'a jamais parlé anglais. Ma grand-mère fait ça. Ah ouais. En tout cas, voilà. Français, même elle n'a pas fini de parler. Mais son affaire d'anglais. D'anglais, tu peux pas. Donc, Michael Bolton est consort. D'accord. Il y a quelques mois, une information selon laquelle tu avais contribué au relogement donc de personnes de ta ville de Goma.
voilà, il y a eu un volcan, une éruption volcanique et tout ça qui avait vraiment. Je pense que l'endroit même est situé non loin d'un volcan, hein. Entre un volcan et un lac ou un truc. Non. Il y avait l'éruption volcanique. C'est l'année passée, il y a quelques mois. Mm-hmm. Tu nous expliques un peu. Ouais, il y avait l'éruption volcanique chez moi parce que la ville de Goma est entre le grand volcan Iragom et le lac Kivu. Donc d'accord. La ville elle est petite au milieu là-bas. Uh-huh. Alors les volcans là. Après des années, on sait que c'est un volcan très dangereux, mais tellement on aime notre ville aussi, on ne quitte pas. Mm-hmm. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en 2002, c'était mm-hmm. la dernière fois qu'il y avait cette éruption-là. Mm-hmm. J'ai vécu ça moi-même. Ah! Alors, on était bébé, on a vu comment on a tout perdu, on est devenu des sinistrés, on a fui même au Rwanda. Donc, c'était vraiment horrible. Alors, j'étais à Kinshasa au camp, parce que maintenant, je suis basé à Kinshasa. Mm-hmm. Et j'ai appris cette nouvelle-là. Mm-hmm. Et le même jour, le lendemain, j'ai pris l'initiative de, avec ma fondation IF, Innocent mm-hmm. Foundation, mm-hmm. j'ai pris l'initiative de voilà, créer un projet pour reloger quelques familles parce qu'ils sont tellement nombreux. Ouais. Tout à fait. Et j'ai lancé, moi-même, j'ai donné l'exemple en lançant une collecte de fonds et beaucoup de personnes de bonne volonté, et je continue de remercier, ont vraiment participé. Mm-hmm. Et en quelques semaines, on a rassemblé. Une somme d'argent qui nous a permis de construire la cité Umoja. Mm-hmm. Donc, c'est toute une cité pour vraiment plusieurs familles. Et je suis très fier de ces projets-là parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et puis, c'était juste pour améliorer. C'est toujours dans la même ville de Goma ? C'est toujours à Goma, oui. Parce que Goma, c'est ma ville natale. Et moi, quand j'ai vu ça... Dit... je veux dire, on ne peut pas les reloger ailleurs. Non, mais il dit qu'ils sont attachés. C'est pas aujourd'hui, parce que les volcans... On ne sait pas quand ça va entrer en éruption encore. On ne sait pas quand, mais voilà, c'est ça. C'est comme, je ne sais pas, il n'y a pas d'autre exemple pareil. Mais Goma, c'est une ville. D'abord, elle est petite, mais en même temps, elle est grande. Parce que c'est une ville qui a une histoire. Mm-hmm. C'est une ville qui connaît beaucoup de choses. C'est vraiment, on ne peut pas juste se décider ça et puis les gens vont partir. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis au-delà de ça, il y a le lien. Quand il y a éruption, ça, c'est jamais toute la ville. Mm-hmm. Mais c'est juste une petite partie. Mais tu sais, quand par exemple, il y a des milliers de familles qui perdent mm-hmm. leur maison et tout ça. Dans le micro-minas. C'est déjà un dégât énorme. C'est déjà un dégât énorme. Tout à fait. Voilà. Oh. Donc quand on a fait ça, en tout cas, on l'a fait avec les cœurs et mm-hmm. je remercie toute mon équipe de la fondation mm-hmm. et toutes ces personnes qui m'ont accompagné dans ce projet-là. Ouais. En tout cas, mais je pense qu'il c'est vrai que la fondation existe depuis à peu près un an, mais en même temps derrière lui, avant même que la fondation ne soit assise, il faisait déjà des actions caritatives. C'est quelqu'un mm-hmm. qui a vraiment la main sur le cœur. Donc c'est cette action peut-être qui est allée au-delà des frontières, mais mm-hmm. lui-même avec son initiative personnelle, il accomplit déjà de belles choses. C'est pour ça qu'il est béni. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, 8 ans après la sortie de ton premier projet Innocent, voilà, tu mets out un album mentionné Mortel 06. Faut pas oublier 0. 06. C'est mon tout premier album. Mmh. Oui, premier album. Mais après, tu avais des projets avant. Mmh. Ouais, des mixtapes. Des mixtapes, ouais. Des maxi singles, comme on appelle chez nous là-bas. Mmh. On dit ça ici aussi. Des singles. Ici aussi. On dit maxi single, mais c'est les tontons d'avant, là. Ah. Ici, là, c'est. Maintenant, là, c'est EP. EP, voilà, c'est stylé. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Moi aussi, je cherche souvent des noms. J'essaie aussi de. Voilà. Chez nous, quand tu viens avec des termes qu'on ne comprend aussi pas, ça devient. Ouais, non, c'est un album. C'est un album. Il dit EP. On dit non. Non. Il dit quoi même? Il a fait album, il dit EP. Voilà. En fait, pour essayer, comme on est aussi anglophone, et puis même peut-être aujourd'hui, on commence à comprendre. Mais les histoires, là, j'ai commencé avant. D'abord, c'était des projets innocents. Là, c'était un projet de contenu que j'avais fait quand j'étais aux États-Unis à l'époque. Mm-hmm. Et voilà. Ah, j'étais aux États-Unis à l'époque. C'est normal, après le concours. Camarade de Econ, le petit frère d'Econ. Après le concours avec Vodacom. Tu connais les États-Unis là, là-bas. C'était autre chose. Avec Econ, c'était en 2010. Mais j'ai fait quand même quelques tours là-bas pour autre chose aussi. Non, après 2010. Il a fait quelques 2010, tours. Ouais. Ah, tu as fait quelques Econ, tours. Avec Econ, c'était pour concrétiser les prix de Vodacom. Des Vodacom Superstar. Il avait une chanson avec. Il avait 5 000 dollars là. C'est fini. Toi aussi, tu as fait quoi avec? On a mangé.
C'est Prince qui allait faire les achats. Non, mais... Il allait dire, il dit, Innocent, tu as ça, Achille, toi, tu as ça. Non, même pas. J'étais trop jeune pour penser à l'argent. À la base, moi, avant les concours, je me disais, c'est si je gagne, il va m'acheter un taille, une taille crayon et un vélo. Ah. Et puis... Quand c'était 25 000, je disais. Faut pas dire 25 000, faut dire 25 000 dollars. C'est 25 000 francs, c'est. Dollars, c'est beaucoup quand même. 25 000 dollars, c'est. 25 000 dollars, ça peut être combien de millions, c'est pas. Multiplié par 500. Je sais pas. Si, 500. C'est beaucoup. Ça fait combien? Oui, on fait les calculs. Ça fait genre 13 millions ou bien 12 millions 5. Tu as dit 25 000 multiplié par. 600. Mais 500, 500, 500. C'est pas 550? Je sais pas, ça varie. Multiplié par 500. Multiplié par 500. Ça fait 12 500 000. C'est ce que j'ai dit. 12 500 000. Voilà. Toi, tu voulais payer. Chers amis en Côte d'Ivoire, j'avais gagné en 2010. 12 millions 500 000 francs CFA. Alors que tu étais âgé de 13 ans. 12 ans. Donc, on a fini ça mal. Il n'y a pas de débat. Je veux savoir comment vous avez partagé ça. Comment, non. La vieille a j'avais promis d'abord. J'avais promis à maman de faire un don. À mon école. Ah, moi, j'étais avant le concours des Superstars. Il est très truc, hein. Il est très altruiste. Je n'aime j'étais pas dans ça. J'étais dans une école où on étudiait l'informatique, mais il n'y avait pas d'ordinateur. Faire pratique, là, on nous amenait des trucs morts. Et tout ce qu'on faisait, c'était jouer dessus pour s'habituer, mais il n'y avait pas grand-chose. Mm-hmm. Alors, j'avais promis quelques machines, ordinateurs à mon école, ce qu'on avait fait. Et le reste, la famille était là, j'ai juste... laisser à la famille gérer parce que voilà, j'étais devenu le chouchou de tout le monde. De toute façon, l'argent venait de partout. Moi, d'ailleurs, j'étais tellement. Ah, tu voulais ton taille crayon. J'étais tellement inconscient que c'était pas mon problème. Il voulait juste son taille crayon. Tout le monde voulait me loger, tout le monde voulait m'envoyer l'argent, tout le monde priait pour moi, tout le monde me donnait tout. Et puis, chance, j'étais gamin. Ouais. Si j'avais cet âge maintenant, c'était pas bon. Il y aurait eu même autre chose. Dieu merci alors. Oh. On est là quoi. Il n'y a pas alors. Alors pourquoi le choix d'un tel naming Mortel 06? Parce que l'album est mortel. Pour l'écouter pour confirmer. D'accord. Et le 06? 06 c'est mon code. Ça, déjà 6 c'est un chiffre porte-bonheur pour moi. D'accord. Parce que dans la compétition j'étais numéro 6. Je suis 6e de ma famille, des cadets. Quand mes parents sont venus à Kinshasa pour assister à la finale, chambre numéro 6, quand on les a visités, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec ces 6? Et donc voilà, c'est un chiffre. 6 milliards sur le compte aussi. Je souhaite. Là, c'est en CFA ou en dollars? Faut prendre en CFA là. Faut prendre en CFA d'abord. 6 milliards là, c'est CFA. Pour prendre d'abord. En CFA, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je suis sûr que même en franc congolais, c'est beaucoup. Non, j'ai eu calme. Non, il doit avoir côté du là. Non, donc, ouais, sérieusement. Alors, combien de titres comporte cet album? 15 titres. 15 titres, ouais. C'est beaucoup ça. Y a-t-il des collaborations? Solo. Solo. Wow. 15 titres solo. Wow. C'est la magie au fait. C'est depuis des années qu'on n'a pas vu ça, même chez moi au pays là-bas. Ouais. Franchement. Les gens disent, ouais, c'est pas la première fois. Je dis, non, il n'y a pas homme, c'est la première fois. Parce que voilà, on ne peut pas comparer ça en même temps avec des albums Rumba. Parce que Cyrine Rumba, tu as 7 personnes qui interviennent, il y a 10 personnes qui interviennent. Mais là, c'est Inos, tu l'écoutes du début à la fin, les chansons sont magnifiques. C'est pas pour me vanter, mais franchement, putain, je suis un génie. D'accord. Alors, et si on revenait un tout petit peu sur le phénomène qui n'en est pas encore un, le son qui est sorti, voilà, le clip... Mortel 06. Voilà, mais qui cartonne, il n'est pas encore sorti, hein. Tu parles de quoi de quoi d'abord? Ça doit être parce que depuis que j'ai balancé l'album, il faut comprendre. Il n'est pas encore sorti, Mortel 06. Non, Mortel 06 est sorti. Le clip n'est pas encore sorti. Si, ça fait 3 semaines. Ah ouais? C'est Naomi Campbell qui n'est pas encore sorti, mais qui cartonne déjà. Naomi Campbell. Ouais. C'est quoi le phénomène derrière? Oui, mais on a entendu mais parler. Mais je vois en tout cas que voilà, c'est viral maintenant. Même sur TikTok, Et elle-même, Naomi Campbell, a... Elle a reposté la chanson. Elle a mis des vidéos dès l'entrée de faire ce qu'elle fait. My bro. Et puis elle a mis My bro. C'est et puis lui aussi, il vient, il dit, mais 6. Écoute. J'ai écouté ma grande soeur. Et puis, elle a fait clip avec mon idole Michael Jackson. Donc, quand je la vois, tu l'as vu.
C'est parce que c'est Mike, il est mort, mais tu allais m'amener directement. C'est comme si tu avais vu Mike. Donc, voilà. Donc, et puis, à part, je ne sais pas comment ici, à Abidjan, vous calculez les succès des tubes, mais depuis qu'on a sorti cet album, il y a tous les titres sont en train de grimper comme ça. Ah ouais. Parce qu'on a disponibilisé ça partout, sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, il y a, que ce soit Spotify, il y a iTunes, Apple Music. D'ailleurs, c'était l'album du mois, Apple Music. Boomplay. D'ailleurs, c'était quoi, number one de la semaine, l'album. Donc, toutes les chansons sont vraiment en train d'être consommées sans modération. Ouais. Et ça me fait énormément plaisir. J'ai même pas balancé un deuxième clip, mais déjà, on me menace. Sors-nous ces clips. Sors-nous ces chansons. Mais c'est quoi, le, enfin, à part Mortel 06 et Naomi, vu que c'est ce que nous, on a entendu ici, est-ce qu'il y a un clip particulier que les gens demandent de faire sortir? Demande. Il n'y a pas et Dieu, parce que et Dieu, si j'ai bien kiffé et ça. Dieu. Et Dieu, est-ce que tu me vois, non? Est-ce que tu me vois, non? Famille, pour moi, là, je vais nourrir comme. Il a mis des mouchis dedans. Moi, ah ouais? Là, je vais payer comme. On va tester son mouchi tout à l'heure. Millions pour moi, là, je vais toucher comme. Je vais toucher. Qu'est-ce alors, dès qu'il te répond. Tu me passes la réponse. Joli bébé, là, je vais... comment? Ah, tu as compris le truc? Je me demande si... Il y a ça. Il y a Adieu. C'est aussi oui, une oui, chanson aussi. Qui est vraiment adorée par tout le monde. Il y a des chansons comme Boutchou. Ah, c'est Shut Up, Kolobate. Ngamutuna o kontrole pesangama. Na Kolobate. Moi, j'ai des outils à bas, namike bayokate. Boutchou, Boutchou, Boutchou. Faut pas tout dire. Il y a ça sur YouTube. Allez regarder, les gars. Enfin, écoutez aussi. Écoutez, et puis sur les plateformes. Aussi, il y a les Tok Tok. Mais là, pratiquement tout l'album, c'est des audios seulement, mais c'est plus de 100 000 vues. Toutes les chansons. Et c'est. À peine voilà. Sorti, hein, 3 semaines. C'est... Et puis, c'est à peine j'ai commencé la communication, les tours médias. C'est ici à Abidjan, je suis venu commencer ça. Donc, j'ai rien dit. On a mis cette mal à musique. Écoutez. Pour ceux que vous n'êtes pas habitués à avoir des albums solo comme ça du début à la fin, mais écoutez. Écoutez quand même. Et puis après, on va faire débat du contenu. Parce que voilà, on ne va pas faire trop les débats de ouais, il a fait ça. Est-ce qu'on aura un jour, comment dirais-je, droit à un album à la Maître Gims, ceinture noire, 40 titres? 40 titres. Il a déjà fait ça. Il a sorti 40 titres en même temps sur YouTube. Sur ceinture noire. Il did it. Comme c'est ton confrère congolais. Oui, mais je n'étais pas informé. En fait. 40 titres, c'est beaucoup. Ça, c'est notre c'est vieux. Beaucoup, ouais. C'est, moi, dans ma tête, j'ai pensé que les seuls à qui on a déjà accordé ça, c'est d'abord Kofi Olomide. Son contenu est illimité. Ouais, mais notre équipe, ça fait 5 ans. Tu veux, je Google pour si, toi. Hein, si, il y a quoi? Il y a deux, trois ans. C'est aussi solo ou bien c'est avec des solo, hein, la plupart. Non, il y a des collabs. Il y a des collabs, mais ouais. La plupart solo. Il a fait peut-être une trentaine solo comme ça. Mais c'est fort déjà. C'est fort. Mais bon, il a, lui, il est aussi très fort, donc c'est pas. On dirait qu'au Congo, ça dort chez vous. Hein. Quoi, les talents? L'inspiration. Et le talent aussi, tu me diras. Parce qu'il faut être quand même inspiré pour sortir 15 titres comme ça sur un album. Ah ouais. Tu me diras. C'est ouais, c'est oui, désolé. C'est ceinture noire, en effet, 40 titres. Et puis, il a fait une réédition où il a ajouté 13 autres titres. Yé. Yeah. J'étais pas informé pour les autres titres. Là. D'accord. Maître, on te salue. Alors, rapidement, donc, on va revenir sur ton passage éclair que tu avais effectué ici à Abidjan il y a 2 ans. Alors, en interview, tu nous informais que tu comptais faire un duo avec Suspect 95, une collaboration. Suspect 95, c'est comme ça qu'il dit. Ah, 95, d'accord. Vous, ici, c'est la France, nous, c'est quoi? La Belgique, quoi. La Belgique, d'accord. La Belgique aussi, ils nous mettent en arrière. Tout 95, là, c'est partout lourd. On passe, en tout cas, on nous dit que c'est 95 ou c'est quoi 70 et tout. Et nous, on est là. On est toujours contre temps. Il fallait qu'un grand pays prenne cette charge-là à la Belgique. Oh, bah. D'accord. Et qu'en est-il pour ce single? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce que vous l'avez fait ou pas? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a tapé poteau déjà. Avec Hiro le coq. Avec Hiro. Suspect et moi-même. D'accord. Et une chanson qui se comporte très bien déjà. Mm-hmm. Et voilà, il y a beaucoup de plans, on ne va pas tout vous dévoiler, mais
Est-ce que vous avez branché. Plus fait Restez branchés. Je ne veux pas venir abîmer notre stratégie. Ah, il y a une stratégie. Les artistes, il faut leur laisser le temps. Quand vous n'avez pas vu encore d'annonce, on n'affirme rien et on ne contredit rien. D'accord. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Alors, quelles sont tes attentes concernant cet album-là, Mortel 06? Un album des hits. Et on est chez Trace, premier sur les hits. Ah, elle est bonne, celle-là. On adore. Donc, voilà. Et puis, je suis content parce que voilà, je pense que j'ai déjà récolté beaucoup, beaucoup de succès avec mes singles. C'était juste le bon moment de sortir maintenant plus de contenu en même temps. Au lieu que tu signes une chanson, par exemple, voilà, un single, tu attends 2-3 mois. Mais là, c'est vraiment... Donc, les gens sont en train de m'écouter. Ils se réveillent, ils m'écoutent, ils dorment, ils m'écoutent, ils mangent, ils m'écoutent. Ils vont faire une overdose d'écoute de Inos, là. Voilà, et donc, ça me donne aussi envie de faire même plus parce que la musique, c'est pour installer la bonne humeur. Pour divertir aussi. Donc, ce n'est pas des calculs, c'est pas un deal de drogue pour qu'on se stresse. D'accord. Alors, Inos, dis-nous, c'est quoi la suite pour toi? Je suis un artiste. C'est quoi la question? Est-ce que la suite, est-ce que tu envisages faire un concert à la suite de cet album? Est-ce que tu bien comptes sûr, bien sûr. Voilà, donc la suite, est-ce que tu prévois faire comme Maître Gims, il a sorti 40 titres et puis en même temps bout 13 à côté. Est-ce que tu vas rajouter d'autres titres avec une réédition? Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? On consomme d'abord Mortel 06 et puis les informations vont vous tomber dessus. Mais les concerts, il y en aura où, quand? Il y en aura, moi, parce que je tourne aussi beaucoup. Là, dernièrement, même avant ici, j'étais à Djamena et on a joué Naomi Kembo. Sans clip, le public a chanté. Si vous voyez l'image, je ne sais pas, c'est magnifique. Donc, avant là-bas, on était... Avant Tchad, on était au Prince Ouaga, Bamako, Malabo. C'est Prince qui atteste. On était à Yaoundé aussi. Avec Naza et Kate Black, on était au Famous. Donc, big shout-out à Madame Lucy. C'était une très, très belle soirée aussi. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de choses en si peu de temps. Donc, les concerts, ouais, on va toujours vous informer. Surtout quand je viens à Abidjan. Comme là, par exemple, je suis venu uniquement pour les tours médias. Donc, si on vous dit qu'on m'a vu à Kumasi, c'est que c'est vrai. on me voit qu'à la télé ou on m'écoute à la radio. Et si on m'a vu à la radio, et si on m'a vu, c'est peut-être devant l'hôtel, la voiture est passée. Mais en tout cas, je suis venu pour communiquer et puis voilà, peut-être faire aussi quelques séances studio, mais ça, je vais pas vous dire. Non, ouais, on sait que tu vas pas nous dire. Mais il y a quelqu'un qui aimerait savoir quelle a été ta plus belle scène jusqu'ici sur le live. Il s'appelle Un Garbio. Ma plus belle scène, partout ça, c'est pas comme prévu jusque là. Bon, le public est toujours très, très chaleureux. Et le reste, je pense, ça va tout souvent avec l'organisation. Parce que voilà, c'est comme la dernière fois, par exemple, on avait fait un concert ici à Abidjan. Pour moi, ça s'est bien passé et je suis directement rentré faire autre chose. Mais après, j'ai vu aussi que sur les réseaux, il y avait de... contentement des voilà des artistes ou bien d'un fan qui n'était pas content, pas par rapport à ma prestation mais par rapport peut-être à l'organisation, et ça c'est souvent les organisateurs qui doivent porter cette charge là. Nous on est bien avec les publics, c'est notre partenaire. Donc si on nous met bien et les publics on les met bien, il y aura rien. Donc voilà, donc jusque là tout se passe bien pour moi et voilà. D'accord. On m'a jamais giflé sur les coups. Parce que si là. On me fait ça, il est retenu. Souvent, c'est des fans qui viennent avec tout l'amour et ils ont peur que la sécurité fasse des choses. C'est pour ça qu'ils sont un peu violents parce qu'ils veulent te tenir. Ouais. Mais après, voilà, les histoires-là bizarres ne me sont encore pas arrivées. D'accord. Je pense qu'on a terminé avec l'interview classique, donc le fauteuil blanc. On va maintenant aller dans l'interview Zier dans Zier. D'accord. Le zier dans zier, on rentre dans tes 100 mètres, on va en apprendre un peu plus sur ta vie privée. 100 mètres encore, c'est quoi? Il dit 100 mètres encore, c'est quoi? C'est ça, c'est à ta vie privée. Ok. Donc, Inos B, tu dors à 2 pieds ou à 4 pieds? En d'autres termes, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu es en couple? C'est des termes techniques ivoiriens. Ah, j'étais à 4 pieds.
Ces derniers temps à 4. Il dit ces derniers temps. Mais pourquoi tu chuchotes ces derniers temps à 4 vieux? Mais tu veux la réponse où tu veux, quoi. Je veux que tu parles fort. Tu as ta réponse déjà. J'ai ma réponse, tu dors à 4 pieds. Inès, on a entendu dire, on a ouï dire que t'avais un bébé en route. Vrai ou faux? Vrai. Non, c'est chic. Ça, ça fait deux. Je suis mounia là, maintenant, là. Je suis mounia. Non, il faut éviter de dire ça. Alors, Inès, ça va faire deux alors. Hein? Ça va faire deux bébés. Comment? Elle va pas faire deux, elle est ça, en route là. Elle a pas encore accouché. C'est ça, lui-même. Toi, t'es en avance. Hein. elle vient du futur. Ouais, ouais, du futur. Comment, déjà deux. D'accord. Il dit okay. Déjà deux. Déjà deux. Doucement. Ah, mais t'es un papa, c'est bien. Alors, as-tu déjà cédé aux avances d'une fan? Très souvent. Hein. Oh, cédé. Non, pas cédé. T'as entendu quoi? C'était quoi la question que t'as entendu? Dis-moi tout. Moi, il y a l'indique que si j'ai déjà... Donc, si on m'a déjà fait des avances par une fan, pas, mais c'est là. Français, on est Djoula. Djoula, non, je cède pas, je garde la tête. Tu gardes la tête. Mais on te courtise beaucoup, les fans viennent beaucoup vers toi. C'est là maintenant la réponse très souvent. Pas cédé. Non, tu ne sais. Ouais. Mais c'est comment elle t'écrivent sur les réseaux ou bien. Surtout sur les réseaux, parce surtout, que c'est pas tout le monde qui a mon numéro. Ouais, c'est clair. Mm-hmm. Peut-être en concert, tu vois, souvent il y a des filles qui vous attendent à vos à l'extérieur hôtels, et tout ça. Ouais, ça a arrivé? Beaucoup. Ah, mais pourquoi il y a des réponses, il faut qu'on chuchote. Et il y en a, on sort la voix. D'accord. T'as ta réponse? Qu'est-ce que j'ai ma réponse, tu me diras. Est-ce qu'on t'a déjà fait des propositions indécentes? On décortique indécente et puis j'ai répondu. Indécente. Peut-être une femme âgée qui te propose de l'argent pour une relation. Pour l'argent. Oui. Ah, ou bien autre chose, une sugar mami, tu vois. Non. Ou bien on te dit bon. Ou bien même d'un autre homme. D'un homme. Un homme. Les artistes font ça ici ou bien? Non, on demande, hein, ça arrive. Moi, je vous demande. Parce que moi, on m'a jamais demandé. Mike est pas là. C'est lui l'artiste. Lui, on lui a déjà proposé. Non, il est pas là. Parce que, il est beau, il est bien costaud et tout. On lui a dit, parce que toi, t'es pas beau. T'as tout ce qu'il faut. C'est pas ça. Moi, je disais, la question là est bizarre. C'est tout ça qu'on avait proposition indécente. Non. On t'a jamais fait ça. On t'a jamais dit ça. J'espère qu'on m'a jamais fait ça. Prince, il faut passer parce que peut-être lui, il voit pas il tout. Voit pas les dents. Mais derrière, ce que. Non, il est fatigué. Et tu sais quoi? Je regarde Prince, je lui demande, il caresse sa barbe et il fait ça. Parce que lui, tu vois, souvent les propositions peuvent venir vers lui. Toi, tu es pas au courant, mais Prince, il sait tout, il cale. Il a la lueur d'un mafieux, genre. Et pour ta santé psychologique, il te dit pas. Mais... les mots étaient quoi? Indécent. Mm-hmm. Je dois retenir ça. Peut-être j'étais juste, mais non. Non, il dit l'argent. Mais ça ressemble à quand tu me poses la question de tes bottes. Bref, serais-tu capable de céder à des pratiques occultes pour encore plus de succès? Non, parce que je suppose que c'est une pure distraction. Qu'est-ce qui est une pure distraction? Voilà, céder à ces genres de trucs-là pour les succès, tu as précisé. Non mm-hmm. Voilà, succès maintenant dans quoi? Dans ton travail, dans ta carrière. Tu dois faire des trucs extra pour avoir du succès. C'est-à-dire, on te dit, Inos, là, tu es bien parti pour être Michael Jackson, mais moi, je te propose. C'est impossible, il n'y a personne. Si tu ne travailles pas comme Michael Jackson. Mais non, on te dit, vends ton bras pas. Ou bien vends ta virilité. Je pense toujours que c'est impossible. Parce que Michael Jackson, il a son succès parce qu'il chantait, il dansait. Mm-hmm. Je suis un artiste. On aime mes chansons, on n'aime pas forcément ma tête comme ça. Ouais, il a un pouvoir, on est obsédé par lui, mais il ne fait rien. Non, il chante, ou il danse, ou il parle peut-être bien. Voilà, il faut une raison. Tu ne vas pas seulement rester chez toi et puis tu vas céder à ces trucs-là et puis tu espères avoir les succès. Ça, je ne crois pas en tout ça. D'accord. Si aujourd'hui, tu as l'occasion de gagner 500 millions de francs CFA, et en combien retour, dollars, tu dois... C'est combien en dollars, on fait le calcul? Ça fait 250 000 dollars. 250 000 mm-hmm. Pour faire quoi? Il aime l'argent. Pour gifler un de tes tontons. Non, pour gifler Achille. Aïe.
J'ai les giflés mal. Achille, c'est son grand frère. Maintenant, Achille, c'est négociable, mais son tonton, là, c'est différent. D'accord, ok. Le tonton, c'est... Le grand frère de papa. Le papa ou en maman. En tout cas, si c'est un membre de la famille, on va parler après. On va même aller, je vais même lui donner pour qu'il a aussi s'amuser après en boîte. Mais j'ai les giflés mal. Il faut même les mettre KO. Je vais les mettre KO. Prince Yako. Même Prince, il est là. Je dois être honnête avec lui. C'est mon grand frère l'aîné. Avec plaisir. J'ai les giflés mal. 250 000, c'est beaucoup. $1,000 en plus. C'est même pas, on va même pas aller à l'hôpital. On va juste mettre la, quoi, les glace. Billets, les glaçons, là. Et non. Puis, c'est tout. Non, mais tu mets les billets. On met les billets sur l'oreille, tu vois. Comme quand tu mets les giflés. Je vais mettre les billets dans le juste congélateur, à côté de comme ça refroidit. Et puis, je lui mets, non, calme, c'est pas grave. On va gérer ça. Des images, c'est pas possible. Ben voilà, on a terminé donc avec toutes les informations à retenir avec Inos. On a vu récemment que tu parlais Noussi. Le Noussi, l'argot ivoirien. Je connais tous les Noussi là vulgaires, donc il ne faut pas me tester. Je vais vous sortir des trucs ici. Vous allez dire, oh non. Après ton passage, on a censuré la... la radio. Donc c'est bon, on va s'arrêter là. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça nous a fait plaisir d'en apprendre un peu plus sur toi. On va marquer une courte pause et se retrouver juste après pour l'interprétation live. Parce que voilà, vous le savez, chaque jeudi nous recevons un artiste de pointe. Et avec cet artiste là, nous avons donc droit à un G2.0 live qui consiste pour l'artiste d'interpréter 3 de ses chansons. Et là, Inos ne fera le plaisir incommensurable de nous interpréter 3 titres de son tout nouvel album Mortel 06. Donc vous avez Bébé de Bébé, Soukali et le dernier Mortel 06. Voilà. Et puis désolé pour les personnes qui sont connectées en ce moment sur le live Trace Côte d'Ivoire et Trace Congo. On vous laisse, mais vous vous connectez sur les différentes fréquences pour suivre l'interprétation semi-live de Inos B. Bah voilà. Merci et gardez l'écoute. On se dit à dans quelques instants. Juste une petite minute et on reviendra. Ensemble, empêchons la propagation du coronavirus. Lavez-vous fréquemment les mains, utilisez du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique. Évitez de serrer des mains et de faire des accolades. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Portez un masque de protection. Toussez.